Chers téléspectateurs, 5 de pique célèbre le photographe Antrani Kanouchian. Né en 1908 en Turquie et décédé en 1991 en Amérique du Nord, Antrani Kanouchian évacue le poids de la tragédie arménienne en se consacrant à l'art. Enfant, il fuit avec ses frères le génocide dont son peuple est victime. Ses parents, hélas, figurent parmi les disparus. Antrani Kanouchian se réfugie à l'orphelinat d'Alep. Il s'installe ensuite à Tripoli. Là, il apprend la photographie. Son maître est Vartan Derounian, photographe régional de l'entre-deux-guerres. Après le retrait du formateur, peu avant la Seconde Guerre mondiale, le jeune homme exploite son studio à Tripoli. Rappelons que Vartan Derounian a lui-même été formé par les frères Sarafian. Retrouvez sur YouTube les épisodes que nous leur avons consacrés. Comme la plupart de ses confrères, Antrani Kanouchian maîtrise les différentes techniques, y compris la retouche photo. Son opus renseigne sur la réalité sociale de son temps au nord du Liban. En 1981, l'homme s'installe à Los Angeles et se consacre à la peinture. Cinq de Pique vous présente un portrait sans titre, réalisé en studio. Il a été fait à Tripoli. Le cliché est un négatif en gélatine argentique sur un film d'acétate de cellulose. Il a été réalisé par Antrani Kanouchian et appartient à la collection de Joseph Elhaj, qu'il administre avec son fils Ziad Elhaj. La photographie a été gracieusement mise à notre disposition par la Fondation Arabe pour l'Image comme l'ensemble des clichés de cet épisode. Les jeunes tourtereaux s'enlacent. Ils ne regardent pas dans la même direction. La mise en scène joue sur l'esthétique et la codification amoureuse. Le cadrage est celui du plan américain. Il coupe les modèles à mi-cuisse. Il met en valeur les silhouettes avec au centre les bassins qui se font face. Les ombres inquiétantes sont absentes. Le bonheur est sans nuages. Le statut marital permet l'intimité. L'alliance au doigt de la jeune femme en atteste. Les tenues occidentales classiques, y compris les chemisiers blancs du couple, ressortent clairement sur le fond gris-blanc flou. Les coiffures laquées et le maquillage employés à grand renfort confirment l'aptitude du photographe à capter ses clients sous leurs meilleurs jours. La photographie devient un vestiaire bourgeois uniforme à l'époque. Seule l'audace du rapprochement physique tranche, comme un élan sincère bonifié. Il devient un élément de fabrication de l'image dans la construction de l'identité intime d'une famille. Rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, pour partager 5 de pique, coproduction de la Fondation RAM et de Télé Liban consacrée à l'art, conduisant au salut universel.